Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté a assombri ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux, abandonne tes fardeaux à ton sauveur, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, 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 oh. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli? Et ta voix semblait peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer tes prières. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. À vous lever pour l'espace de quelques secondes, s'il vous plaît, qu'on puisse répondre à cet appel à abandonner nos fardeaux devant notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui s'est donné en sacrifice, celui que nous avons chanté, nous avons loué. Il est là dans ce lieu. Il connaît ton besoin, il connaît ton défi, il connaît ton prénom, il connaît ton adresse, il connaît tout de toi, il connaît tout de moi. Ce Dieu n'est pas insensible à ce que nous traversons jour après jour, semaine et année après année. Je t'invite ce matin à déposer ton fardeau, un fardeau que tu portes pour toi-même, peut-être pour tes proches. Fardeau de santé, de relation, peu importe le fardeau, fardeau de culpabilité. Je t'invite simplement ce matin à offrir ton cœur, à t'offrir devant Dieu. Et si tu es là pour la première fois et que tu ne crois pas en Dieu et tu crois que tu es à la bonne place, et je t'invite simplement à observer et à recevoir ce qui va être communiqué. Je t'invite dans ce moment présent de simplement faire cette prière. Seigneur, si tu existes, prouve-le-moi. Montre-le-moi. Peut-être que vous avez la foi depuis plusieurs années et vous avez l'impression que Dieu s'est éloigné ou que c'est comme s'il s'est fait absent. Et tu peux faire cette prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit en cet instant puisse passer dans les rangées et prendre le fardeau des uns et des autres qui se trouvent dans les pensées, dans les émotions, physiquement, spirituellement, psychologiquement, Jésus. Nous invoquons ta présence, nous déclarons que nous sommes là à cause de toi, Jésus. Tu n'es pas une religion, tu es ce Dieu personnel. Disons merci
C'est avec crainte, tremblement, respect, révérence, Seigneur, que nous nous approchons de toi, que nous nous présentons devant toi, que nous nous attendons à toi, Jésus, sachant que nous ne méritons rien, mais Seigneur, que tu donnes tout par miséricorde, par grâce. Tu te plais, Seigneur, à bénir, à guérir et à relever. C'est ton identité même. Tu es ce bon Dieu, ce Dieu de justice et de miséricorde, ce Dieu de vérité et de puissance. Dans la simplicité de ce moment, Seigneur, je sais que ton Saint-Esprit peut se faire entendre comme jamais et pour la première fois pour certains d'entre nous, Seigneur. Parle au cœur, sans qu'il y ait l'ombre d'un doute, tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On vous invite à reprendre vos places. Bienvenue. Bienvenue dans ce deuxième message de cette série intitulée « Dieu au cœur de ma santé ». Bon, je vous rassure, Pasteur Guétan est toujours en vacances. Il va revenir d'ici 2 semaines, si tout va bien, et tout va très bien aller. Donc, nous sommes dans le deuxième message, Dieu au cœur de ma santé. La semaine passée, nous avons vu, le titre du message était l'auteur, et ce matin, le titre est le patient. J'aimerais qu'on puisse parler un petit peu plus de nous, de ce que nous vivons. Mais, simplement, j'aimerais faire quelques précisions, je ne pourrais pas le répéter assez. Ces 3 messages ne peuvent pas couvrir au complet le sujet de la guérison, de la maladie, de la santé. J'espère juste nous mettre sur des pistes, nous aider à comprendre certains aspects, comprendre le cœur de Dieu concernant notre santé, nos états de santé intérieurs, extérieurs, etc. Donc, si dans le cas où vous écoutez un des messages de cette série et que c'est le seul que vous avez écouté, vous ne pouvez pas vous faire une idée complète, mais Pasteur Philippe, il pense ça de la guérison. Chaque message est complémentaire et il y en aurait d'autres aussi, d'autres nécessiteraient aussi pour apporter vraiment une vision plus complète. Mais on veut tâcher quand même d'apporter quelque chose de plus complet possible. Et ce matin, vous savez, j'ai toutes sortes d'amis. J'ai des amis africains, algériens, européens, de toutes sortes, arrière-plan, des blancs, des noirs, pas encore des verts parce qu'on les a pas encore découverts. Mais j'ai aussi des amis de toutes sortes, arrière-plan, spirituels, dénominationnels. Et ce matin, il est fort possible, peut-être que non, mais je tiens quand même à avertir, il est fort possible que dans ce message-ci, qui sera beaucoup plus terre-à-terre, il est fort possible que ce message dérange mes amis un peu plus charismatiques. La semaine prochaine, le message risque potentiellement de déranger mes amis qui sont un peu moins charismatiques. Donc, ça en prend pour tout le monde. Mais je crois que ce message a besoin d'être mentionné ce matin pour pouvoir aller plus loin. Donc, la semaine passée, nous nous sommes laissés sur la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définissait la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et psychologique, social aussi, qui ne consiste pas seulement dans une absence de maladie ou d'infirmité, mais elle implique tous les besoins fondamentaux de la personne, elle implique, je répète, que tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux, culturels, du stade de l'embryon jusqu'à l'âge avancé. Donc, c'est un état de santé, c'est un état complet. Ce n'est pas uniquement une question d'être en santé physiquement ou psychologiquement, c'est une question vraiment complète qui touche à tout point de vue notre être, de tout ce qu'on fait dans la vie. Nous avons vu, la semaine passée, nous sommes quittés sur ce terme grec « sozo », qui veut dire à la fois « sauver » et « guérir », où lorsque Jésus va dire « va », lui dit Jésus, « ta foi t'a guéri, c'est ta foi t'a sauvé ». Et lorsqu'il dira ailleurs « car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu », c'est pour chercher et « sozo » ce qui était perdu. Donc pour montrer que dans ce terme-là, le terme « sauvé », le terme « sozo », c'est à la fois un salut physique et un salut spirituel. Et nous avions vu le passage, cet événement où l'homme paralytique était apporté par ses 4 amis qui traversent le toit et Jésus va se présenter et il y a tout un échange qui va prendre place à ce moment-là et j'aimerais reprendre à partir de ce terme-là. Ce passage est riche d'informations, entre autres aussi, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai fait un message qui s'intitule l'année passée, je pense, « L'appel au chevet » qui concerne les personnes qui entourent ceux et celles qui sont en proie avec la maladie et comment gérer, comment se comporter, etc. Donc il y a tout un message là-dessus. Mais simplement, c'est intéressant dans ce passage-là de remarquer que cet homme-là, ce paralytique, avait besoin de ses 4 amis
amis. Et c'est grâce à ces quatre amis qu'il a eu accès à Jésus. Et simplement attirer notre attention sur le fait que nous avons besoin d'être entourés d'amis dans les moments d'épreuve, de maladie ou autre. Et lorsque nous sommes en santé, nous avons besoin aussi d'être attentifs afin d'être ces amis qui vont entourer les gens qui sont dans la maladie et les apporter auprès de Jésus. On va lire le passage Marc chapitre 2, versets 10 et 11 que nous avions vu la semaine passée sans le revoir de la même façon au complet. Mais voici ce que ça nous dit. « Eh bien, vous allez savoir que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Prends ton brancard et rentre chez toi. Hein, c'est le passage qui dit « Qu'est-ce qui est plus facile de faire ?» De dire « tes péchés sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche » dire « ok, il va faire les deux, la question est réglée ». Ici, ce qui a attiré mon attention, c'est que « va, je te l'ordonne, prends ton brancard et rentre chez toi ». On avait vu que cet homme est doublement un « double sozo ». Il est sauzé, on vient d'inventer un terme, vraiment, là, c'est assimilé. Il est sauvé dans son âme, ses péchés sont pardonnés. Il est sauvé, il est guéri sozo physiquement parce qu'il se relève. Mais cet homme ne s'est pas uniquement relevé de sa paralysie physique ou spirituelle, mais il s'est relevé aussi d'une paralysie, je crois, psychologique, émotionnelle et même financière ou matérielle, si vous préférez. Pourquoi? Parce qu'il y avait, alors qu'il était couché sur son brancard, psychologiquement, il devait vivre toute une pression, puisque à cette époque-là, les Juifs, lorsqu'ils voyaient quelqu'un de malade, maladie égale péché. Donc psychologiquement, cet homme a dû vivre toute une pression. Deuxièmement, financièrement, on voit que la santé touche tous les aspects, le domaine social. Cet homme, on peut prendre pour acquis qu'il s'est réintégré dans la société, dans le monde du travail, parce qu'à partir du moment où il peut prendre son brancard, rentrer chez lui, ça veut dire qu'il est autonome, donc on est en mesure de pouvoir croire qu'il a pu aller se trouver un travail et s'auto-suffire, s'auto-financer lui-même donc, en travaillant. Donc le Seigneur, lorsqu'il rétablit quelqu'un, il touche notre âme, il touche notre corps, il touche notre physique, il touche notre psychique, il touche tout au complet. Et c'est extraordinaire de voir le plan de Dieu à travers la vie de cet homme, et je crois que c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et nous allons continuer au verset 5. En fait, on recule un petit peu en arrière. Ce que je trouve intéressant, et je veux partir de là ce matin, le chapitre 2 de Marc, verset 5, nous dit, qui s'affiche à l'écran, « Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Tes péchés te sont pardonnés. En disant cela, Jésus est en train de relier son état physique à sa condition spirituelle. Jésus n'est pas fou. Il voit un paralytique avec quatre amis qui donnent la peine de faire un trou dans le toit pour le descendre. On s'entend que ce qu'il vient chercher, il ne vient pas chercher une crème glacée. Il ne vient pas se dire ses quatre vérités sur son passé. Il vient chercher une guérison physique. Mais Jésus, les premiers mots qui sortent de sa bouche, il voit leur foi et dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Wow. On se rappelle, la semaine passée, nous avons vu que Jésus va se servir de cet événement-là pour, au-delà du miracle proprement dit en tant que tel, veut se révéler comme le Dieu qui pardonne, puisque pour les Juifs, seulement Dieu pouvait pardonner, et c'était le message précédent. Il veut se révéler comme Dieu. Il dit « Tes péchés sont pardonnés ». La question que je nous pose ce matin, c'est « Te pardonnes-tu ? » La Bible te dit ce matin, si tu t'es approché un jour ou ce matin dans ce temps de louange, tu dis « Seigneur, je te demande pardon. » Tu vois mes erreurs, mes paroles, mes actes, mes pensées, je te demande pardon. La Bible dit que Jésus-Christ est fidèle et juste pour pardonner celui qui confesse ses péchés. Il te pardonne. Tes péchés sont pardonnés. La question que je nous pose, est-ce que tu te pardonnes? Est-ce que nous sommes en mesure d'accueillir, de recevoir le pardon de Dieu dans nos vies? Pourquoi? Parce que, je le répète, il n'y a pas de solution, de réponse catégorique sur le pourquoi certains sont guéris et d'autres non. On peut avoir certaines pistes. Mais une des raisons, ce n'est pas la seule, mais encore une fois, une des raisons, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner. Et Dieu veut juste faire couler sa guérison, son pardon, mais n'arrive pas à se pardonner et rumine les pensées du passé, de la culpabilité, se lie soi-même et bloque la puissance de Dieu dans leur vie. « Ouais, mais je ne peux pas, c'est ce que j'ai fait, c'est trop gros. » Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que toi, tu te pardonnes? Si Jésus, le Fils de Dieu, le trois fois saint, le Tout-Puissant, me pardonne, nous pardonne, te pardonne, alors pardonne-toi. Passe à autre chose. Reçois son pardon et la guérison qui est accompagnée avec va suivre dans la plupart des cas.
de nos vies. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit dans la plupart de nos vies. Vous savez, quand il dit « tes péchés sont pardonnés », Jésus, il ne sait pas par hasard. Il sait que les Juifs ont la conception maladie-péché. Parce qu'à l'époque d'Israël, si on remonte à l'Ancien Testament, la maladie était systématiquement reliée à une désobéissance commise par le peuple. Systématiquement. Santé, un homme en santé, une personne en santé, était le symptôme d'une personne ayant une bonne relation avec Dieu. Une personne qui était malade était symptôme d'une personne qui a une mauvaise relation avec Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, c'est pas rare de retrouver dans différents endroits la question principale, une des questions qui revient dans cette thématique dans l'Ancien Testament, c'est comment se fait-il que tu fais prospérer les injustes et les infidèles, les méchants? Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion vraiment de si je commets quelque chose de mal, boum. C'est pas que Dieu envoie la maladie, c'est une conséquence directe de la désobéissance de son peuple. On le voit avec Myriam. Myriam qui a critiqué son frère Moïse est atteinte de la lèpre. Paf, paf, ça traîne pas. On voit le peuple de Dieu qui a commencé à parler contre Dieu, bing, les serpents brûlants sont envoyés dans le désert. Il y a toujours une conséquence directe. Donc les Juifs ont grandi avec cette conception-là parce que c'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. C'était la façon dont Dieu aussi se servait pour éduquer son peuple. Quelques passages qu'on va lire, il y en aurait beaucoup d'autres, mais quand même quelques-uns qu'on va regarder ce matin. Exode chapitre 15, verset 26, pour appuyer ce que je dis. Il dit... « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha, qui soit dit en passant, Jéhovah n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Je suis le Dieu qui te guérit. » C'est son identité, c'est un de ses noms, un des noms de Dieu, une des caractéristiques de Dieu dans son identité. Il est celui qui guérit. On l'a dit la semaine passée, il est l'auteur de la santé, il est l'auteur de la guérison. Je suis celui qui te guérit. Mais on voit très clairement, si tu écoutes, si tu fais, si ce qui est droit, si tu prêtes, si tu observes, etc. Un peu plus loin, on va lire ailleurs, l'Exode chapitre 23, les versets 24 à 25. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Je saute au verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc on voit encore une condition. Tu ne feras pas ceci, tu ne comporteras pas comme ces peuples-là. Et là, il y aura une bénédiction de santé qui va abonder sur ta vie. On voit, il bénira votre pain et vos eaux. Vous voyez les besoins fondamentaux aussi qui découlent directement de la bénédiction de Dieu. C'est dans le plan de Dieu d'être en santé. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous soyons en santé spirituellement, physiquement, mais dans nos besoins fondamentaux. On continue, le dernier verset de l'Ancien Testament que j'aimerais relever à ce sujet, c'est Proverbes chapitre 4, le verset 20 et 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Wow! Donc on voit qu'il y a vraiment une conséquence qui va directement relier à la désobéissance ou l'infidélité du peuple de Dieu qui est manifestée sous forme de maladie, de malédiction au niveau de la provision matérielle, nourriture, etc. Combien sont ceux qui sont bénis de savoir que Jésus a vécu 33 années sur la terre et que tout ce que je n'ai pas été en mesure ou je ne suis pas en mesure d'écouter chaque jour, à chaque seconde, d'observer et d'être attentif à ce que Dieu dit, lui était capable de le faire. Ce que moi, je n'ai pas été capable, lui était capable de le faire. Il s'est offert comme un sacrifice parfait à la croix et en lui, j'hérite toutes les bénédictions de que Dieu a pour ma vie. C'est le Dieu que nous avons. Alors oui, en même temps, ceci ne veut pas dire que nous devons vivre comme nous voulons, etc. Je crois que nous sommes appelés à être cohérents avec la foi que nous professons, que nous proclamons, être conséquents avec ce que nous croyons, mais il y a une bénédiction, une paix, une grâce qui repose que moi, je ne serai jamais capable d'accomplir les 10 commandements, la loi parfaite, mais j'ai un Seigneur qui a vécu sa vie à ma place pour moi, et en lui, j'hérite de toute la bénédiction. En lui, j'hérite de la bénédiction de la guérison, de la provision qu'il a pour nos vies. Donc, et dans le Nouveau Testament, les cas de maladies reliées à un péché commis sont rares. Rares. Sont très rares. À part ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, là, on n'en a pas parlé la semaine passée, mais on connaît tous l'histoire d'Ananias et Saphira qui sont tombés raides morts parce qu'ils ont menti. On a vu la semaine passée les Corinthiens qui vivaient dans un péché délibéré. Il y a ce matin le texte de notre paralytique à qui Jésus dit « tes péchés sont pardonnés », donc il faut croire qu'il y avait des péchés pardonnés. Mais en règle générale, c'est très rare que les cas de maladie soient reliés à un péché commis. D'ailleurs, on le voit, Jean chapitre 9, les versets 1 à 3. « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. »
Ses disciples lui firent cette question. Vous voyez comment c'était enraciné dans les Juifs la notion de péché, maladie. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Non, vous n'y êtes pas là. Ce n'est pas une question de ses parents ou lui qui ont péché. C'est afin que ma gloire, mon royaume paraisse. Entre nous, là, autant lui, l'aveugle de naissance, que ses parents commettaient certainement des péchés comme vous et moi. Right? Ce n'était pas des saints, là. Pourtant, il dit non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est, la Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de lui. Il n'y a personne. J'ai mentionné la semaine passée, on aurait tous le potentiel de tomber reine mort, chrétiens, non chrétiens, tous, reine mort, on est tous des pécheurs. Et des pécheurs pardonnés, des pécheurs qui ne sont pas encore pardonnés parce qu'ils ne connaissent pas Jésus ou qui ne veulent rien savoir volontairement. Et non, ce n'est pas une question de ses parents ou lui. Je veux juste que ma gloire paraisse. Je prie que ce texte-là puisse être une consolation pour vous si c'est votre cas. J'ai eu l'occasion, et vous en avez connu aussi, des personnes qui, lorsque leurs enfants sont nés, avec une infirmité physique, un handicap mental ou quoi que ce soit, et la première réaction, et même des fois des personnes qui perdent leur travail, qui vivent une épreuve, se posent la première question, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait, j'aurais dû faire. Non, c'est pas que toi, ton enfant, qui que ce soit, a commis un péché. C'est pas toi. Toute maladie n'est pas reliée au péché. Je prie que si, jusqu'à présent, tu portes un poids de culpabilité, de dire... Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a même des personnes qui vont jusqu'à dire, j'ai même entendu dire, je mérite ce que j'ai parce qu'elles connaissent leur vie, puis dire à cause de j'ai fait ça, puis non, ça c'est pas le... Oui, je l'ai dit la semaine passée que des fois Dieu peut se servir de ces moments-là pour nous parler, mais en règle générale, ça c'est pas le Dieu d'amour qu'on connaît. Il y a un plan de miséricorde, il veut nous appeler à lui, et je prie que ce poids de culpabilité, si tu as un enfant qui est né autiste de naissance ou infirme physiquement, j'aimerais dire, enlève cette pensée que tu as commis un péché dans ta vie. Parce que si c'est le cas, tu as déjà certainement demandé pardon à Dieu, tu t'es déjà présenté devant le Seigneur, ça c'est sûr, tu l'as déjà fait, si ça t'a traversé l'esprit, c'est sûr que ton deuxième réflexe c'est Seigneur, pardonne-moi, j'aurais jamais dû, excuse-moi, pardonne-moi, si j'avais su. T'es pardonné, là. Fini, oublie ça, c'est fini, on passe à autre chose. Donc la maladie dans l'Ancien Testament démontre un état de péché dans le cœur de l'homme, la guérison dans le Nouveau Testament est associée à la repentance et à une intention de manifester le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 16-17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il fait allusion à Ésaïe chapitre 53, verset 4, que nous connaissons pour la plupart d'entre nous très bien et par cœur. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. L'expiation, ou si vous préférez, la mort de Christ, nous libère du péché et nous délivre de la maladie. C'est un texte, il a pris sur nous nos infirmités et nos maladies. C'est un texte, c'est le texte sur lequel on s'appuie principalement pour dire que lorsque Jésus est mort à la croix, lorsqu'il a passé par l'expiation, eh bien, c'est à la fois, on l'a parlé, sozo, c'est à la fois physique et spirituel. On s'appuie sur ce texte-là pour dire, il y a même un pasteur des années 1800 qui est décédé en 1929, pasteur Toré, va mentionner que la guérison est dans l'expiation. La guérison est dans la croix. C'est juste mais, et c'est là que peut-être, possiblement, certains d'entre nous vont être dérangés avec ce qui suit. Il y a un problème avec cette affirmation, parce que ça veut dire qu'on serait en droit de s'attendre à ce que 100% de toutes les maladies dans ce lieu, de chaque personne dans ce lieu, soit maintenant, ici, dans ce lieu, guérie à partir du moment où je place ma foi dans la puissance de la croix. C'est ça que ça voudrait dire. Et c'est dangereux une affirmation comme ça parce que ce n'est pas tout à fait juste. J'arrive, partez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le problème de cette affirmation-là, c'est que combien ici on fait tout ce qu'il y avait à faire, mais malgré ça, vous vous êtes entendu dire, tu manques deux fois, toi, sinon tu serais guéri. Voyons, Dieu agit elle-même aujourd'hui éternellement. C'est parce que tu n'as pas la foi. Hein, y en a déjà, vous n'êtes pas obligé de lever la main, parce que c'est peut-être ton voisin qui t'a dit ça. Mais ça nous est arrivé, d'entendre. Moi j'ai entendu ça plusieurs fois. Faute d'explication,
On dit l'expiation, la guérison est dans l'expiation, la guérison est dans la croix. Donc, on prend pour acquis qu'on devrait être systématiquement tout le temps maintenant guéri. Puis quand ça n'arrive pas, dépourvu d'explication, on dit tout et n'importe quoi, jusqu'à dire « t'as pas la foi » ou « t'as un péché caché ». Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes les personnes, qu'est-ce qu'on fait avec les bébés naissants qui sont dans un hôpital en ce moment, dont les parents sont engagés dans la foi, je prends un cas extrême, là, engagés dans la foi, fidèles à Dieu à tout point de vue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui, elle, est fidèle dans sa foi malgré sa maladie, malgré le cancer, ou peu importe la maladie qu'elle a, qu'elle a la foi, elle veut être guérie, elle lit sa parole, elle prie, elle intercède, elle jeûne, elle fait tout ce qu'il faut, elle le fait, mais qu'elle n'est pas guérie. Qu'est-ce qu'on donne comme explication à ces gens-là? Quel est le poids qu'on met sur ces personnes-là? C'est dangereux une affirmation comme ça. Et il y a une autre personne qui amène un bémol à ça, un autre commentateur réputé, et je trouve ça vraiment intéressant. Voici ce qu'il nous dit. Il nous faut reconnaître qu'il y a une distinction entre ce que Dieu a promis de faire en le scellant par une alliance et ce qui n'a pas été scellé par l'alliance, entre ce qu'il peut faire et ce qu'il a promis de faire. Il faut une distinction entre ce qu'il peut faire et ce qu'il a promis de faire. La nouvelle alliance ne promet pas à tous la guérison pour maintenant, pourtant elle promet le pardon des péchés pour maintenant. Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est Jésus qui prend son dernier repas, la communion que nous célébrons une fois par mois dans nos églises. Voici ce qu'il dit. « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. » Hein, c'est scellé. Il y a une promesse dans ce sang, dans cette alliance scellée, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce n'est pas écrit pour la guérison. Là, c'est clair. Il n'y a pas de sozo. Là. Pour la rémission des péchés. Il y a une promesse scellée dans le sang de l'alliance, dans le sacrifice de Christ, qui est pour la rémission des péchés. Matthieu, qu'on a lu tantôt, « Et voici, il délivra des démoniaques, guérit les maladies, afin que s'accomplit la prophétie que Ésaïe avait dit, afin, et ainsi, et comme de quoi il prendrait toutes les maladies et les infirmités sur lui. » Jésus n'est même pas encore passé par la croix. Il est dans le Nouveau Testament, là, il est loin de la croix encore. Oui, il s'en rapproche, c'est sûr, mais il n'est pas mort. Là. Mais le texte nous dit, l'évangéliste nous dit, « Afin que s'accomplit la promesse ou la prophétie d'Ésaïe, comme de quoi il prendrait toutes nos infirmités. » Il n'est pas mort à la croix, là, il est encore en vie. Il n'a même pas souffert. Pas de cet ordre-là encore. Jésus est en train de dire, « Moi, je viens sur terre et je me lève contre les puissances du mal, démoniaques, infirmités de toutes sortes ou non démoniaques, et je les prends sur moi, je me lève comme un puissant guerrier pour plaider ta cause. » C'est ça qu'il est en train de dire. Mais la promesse qu'il y a, qui est scellée, qui est sans aucun doute, c'est le pardon de nos péchés. Je continue. Et la nuance que cette personne-là apporte, lorsqu'elle dit qu'il faut faire la distinction entre ce qui a été promis dans l'alliance scellée, ce que Dieu a promis et ce qu'il peut faire, cette personne-là croit à 100% à la guérison divine aujourd'hui, mais non de façon systématique. Et il va dire, nous croyons que la guérison est, que toute guérison prend sa source à travers l'expiation. C'est-à-dire que c'est, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce que toute guérison, toute délivrance, toute transformation, tout changement du cœur, de l'âme et de l'esprit prend sa source en Jésus-Christ, prend sa source en Jésus-Christ et sur ce Jésus-Christ mort et crucifié à la croix, à travers lui. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tous sont guéris. Et de cette façon-là, on peut mieux comprendre pourquoi est-ce que certaines guérisons ne prennent pas toujours place. Vous savez, je crois, et c'est ce que vous avez remarqué possiblement, si vous ne l'avez pas remarqué, vous le remarquez maintenant, dans cette série « Dieu au cœur de ma santé », je ne veux pas tellement prêcher sur le miraculeux uniquement. J'aurais pu faire 3 messages sur la foi, la dimension spirituelle, surnaturelle, comment développer notre foi, etc. Mais ce n'est pas ça que je visais dans cette série-là. Pourquoi? Parce que je crois qu'au-delà de prêcher sur le miraculeux, je crois que nous avons besoin de développer une compréhension biblique et théologique de la pensée de Dieu à propos de la maladie, de la guérison versus la santé. Je crois que nous avons besoin qu'une théologie sans puissance conduit à la désillusion. Une bonne théologie bien ficelée, c'est correct, politique correct, oh, ça mène l'allure, ça se tient bien, mais qui n'a aucune mise en pratique, aucune puissance, c'est beau en théorie, ça se dit bien, mais ça conduit à la désillusion parce que ça ne porte pas de fruits. Il n'y a rien qui se passe. C'est beau sur un papier. C'est beau sur un diplôme. C'est tout. À l'inverse, une puissance qui est dépourvue d'une saine théologie, d'une théologie biblique, de la pensée juste de Dieu à propos de la santé, conduit à une hérésie. Ah, la puissance de Dieu, le surnaturel. Oh là, je le sens. Mais ça conduit
souvent à de l'hérésie. Parce qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi de n'importe qui. Moi, j'ai entendu des choses, c'est juste, c'est pas biblique. Si tu pries, ça, le mal est là, ça se déplace, ou il est dans le ventre, là, il se déplace. Non, ça, c'est des rebouteux. Il n'y a rien de biblique là-dedans. Et on a tellement soif de surnaturel, tellement soif de voir Dieu agir, qu'on est prêt à accepter n'importe quelle manifestation surnaturelle dans nos vies, pourvu que oh, Dieu agit. Alors j'aimerais dans cette série, et la semaine prochaine, et ceux qui sont des personnes de prière, je vous invite à cette semaine, prendre un temps à part et prier. Et la semaine prochaine, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps où vraiment qu'il y ait, au-delà de Philippe qui parle avec son accent d'ailleurs, qu'il a l'accent céleste dans ce lieu, qu'il a la présence de Dieu qui se manifeste, qu'il y a un déversement de puissance dans ce lieu. Mais pour l'instant, je veux m'arrêter à ce matin parce que si je vais à l'autre étape, la plupart d'entre nous, la moitié d'entre nous, de ceux qui m'écoutent présentement, soit par Internet ou présentement, n'écoutent même pas ce que je dis parce que vos colères, vos incompréhensions, vos déceptions, vos tristesses, vos blessures, vos incompréhensions de pourquoi est-ce que vous vous trouvez dans une situation où vos maladies ne sont pas guéries, vous empêcheront même d'entendre tout ce que je vais dire pour la simple raison que c'est ça qui vous anime présentement et c'est à vous que je vais m'adresser, à vous qui traversez une situation où vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Dieu ne guérit pas. Je vais être très terre à terre. Vous savez, Donald G., qui a vécu dans les années 1891 jusqu'à 1966, un pasteur pentecôtiste pur et dur. Même les pentecôtistes d'aujourd'hui, là, c'est comme, c'est trop, là. C'est comme, non, c'est trop. Donc, tout ça pour dire, c'est un homme qui croyait au surnaturel, à la guérison, qui a expérimenté, qui a été un puissant instrument entre les mains de Dieu pour voir des choses que certainement la plupart d'entre nous n'ont pas vues ou très, très rarement vues. Voici ce qu'il va dire. Lui, il croyait aussi à la guérison dans l'expiation, mais avec ce bémol-là, il refusait d'en conclure que nous étions automatiquement guéris de tout dans notre siècle. Voici ce qu'il dit. Il dit « Agir ainsi, dit-il, serait violer l'ensemble des Écritures qui enseignent que la plénitude du royaume et de la vie de résurrection est encore à venir. Affirmer que la guérison de nos corps, tout comme la guérison de nos âmes, repose sur une base unique, l'autorité de l'œuvre expiatrice de Christ, notre Sauveur, cela peut poser, pour ceux qui sont faibles dans la foi, de sérieux problèmes de confiance et de foi personnelle lorsqu'ils voient des cas où, manifestement, la guérison divine, quoique revendiquée, n'a pas été obtenue. » Lui-même, c'est un pentecôtiste pur et dur qui croit la guérison surnaturelle à planche en bon québécois. Mais lui-même va dire non, de là à en déduire qu'automatiquement tous sont guéris maintenant tout de suite. Non, on ne peut pas parce que qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne sont pas guéris? Avec ceux qui ont revendiqué puis que manifestement il n'y a rien qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est à travers l'expression de Christ quand même qu'on est guéri. Vous savez, la guérison est un mystère. Puis ça, il faut qu'on l'accepte. La guérison est un mystère. Vous l'avez certainement, certains d'entre vous l'ont peut-être vécu. Dans une même famille, tu vas avoir deux enfants, la même maladie, tu fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient guéris, tu pries de la même façon, etc. Il y en a un qui est guéri, l'autre n'est pas guéri. Un qui est en santé, l'autre va même décéder. Mystère. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Des couples aussi, ça arrive. Pourquoi? C'est un mystère. La guérison divine est un mystère qui navigue dans la zone de ce que j'appelle le déjà, mais pas encore, de ce que la Bible appelle le déjà, mais pas encore. Et ultimement, chose qu'on n'entend pas souvent lorsqu'on entend parler sur le sujet, ultimement, la maladie nous rappelle que nous ne sommes pas destinés à être des mortels pour toujours. Nous ne sommes pas destinés à être des mortels à jamais. À l'origine, nous sommes créés pour être immortels. La maladie nous rappelle que nous sommes dans un monde où nous sommes temporairement mortels, mais que nous sommes pour les chrétiens, mais nous sommes appelés à vivre la résurrection, et il y a une partie qui n'est pas encore là. Nous sommes libérés de la puissance du péché et du mal, mais nous ne sommes pas libérés de la présence du péché et du mal. D'où pourquoi encore des gens sont guéris, et d'autres, par contre, ne sont pas guéris. D'où pourquoi les gens ne sont pas guéris. Et ultimement, ce que qu'on n'entend pas souvent, et qu'on prend ça comme une maigre consolation, alors que ça devrait être la consolation, c'est que la mort, ultimement la mort, est l'ultime guérison et délivrance pour un chrétien. Mais on va se consoler avec ça. Bon, ok, je suis pas guéri, fait que ok, j'attends la mort. Non, c'est pas une maigre consolation pour justifier un manque de puissance de surnaturel dans l'Église. Non, c'est la consolation. Et à ceux qui ont des pensées noires, des pensées suicidaires, va pas te mettre une corde autour du cou en sortant d'ici. Là, c'est pas ça que je parle. Je suis sérieux, des personnes qui combattent avec des pensées comme ça, c'est pas ça que je te parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour un chrétien, son espérance ultime, c'est après.
Nous sommes, c'est pour nous, c'est triste. Pour ceux qui restent, c'est triste. Mais pour le croyant qui s'en va, mes amis, il est délivré. Plus d'impôts à payer. Plus de taxes. Plus de larmes. Plus de pleurs. Plus de remise en question. Juste l'adoration. Alléluia. Plus de larmes. C'est la guérison. Tout c'est parfait. C'est le monde parfait. Et c'est là que la guérison est un mystère, parce que nous sommes dans le déjà, mais pas encore. Et c'est pour ça que certaines personnes ne sont pas guéries tout de suite, parce qu'ils sont... C'est le pas encore. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il faut juste l'accepter. Le pas encore nous permet de faire la paix avec Dieu et avec nos prières non répondues. Je suis conscient que c'est facile pour moi de dire ça, que c'est l'ultime délivrance. Je n'ai pas quelqu'un à côté de moi qui est en proie avec une maladie mortelle. Je ne suis moi-même pas atteint, en date d'aujourd'hui, à ma connaissance, par une maladie mortelle. Certainement, je réagirais différemment, parce qu'on est des êtres humains, ça nous affecte. David était dans les moments difficiles, ça l'affectait. Mais il reste qu'ultimement, c'est là notre espoir final. Et parfois, on veut s'acharner. Il y a une différence entre persévérer et s'obstiner, hein, vous saviez ça? Des fois, la Bible nous appelle à persévérer, mais des fois, on s'obstine. Non, il va être guéri, non, il va être guéri. Non, il faut juste accepter. Facile à dire, mais je voulais quand même le mentionner. Vous savez, on est guéri à travers l'expiation, et ça nous permet de comprendre un peu plus pourquoi certains ne sont pas guéris. Et dans les Épîtres, il y a 4 personnes qu'on nous mentionne qui ont apparemment n'ont pas reçu de réponse à leur guérison, en tout cas pas instantanément, de façon immédiate. On pense à Épaphrodite. Hein, il y a des noms comme ça qu'on ne se rappelle même plus dans la Bible, on ne sait même pas qu'ils existaient. Pourtant, Épaphrodite, c'était, vous le trouverez dans Philippiens chapitre 2, verset 27, c'était un chrétien de l'église de Philippe. Et d'après ce que Paul écrit, on peut en déduire que Paul a dû prier pour sa guérison, mais que ça n'est pas arrivé instantanément, de façon immédiate. Donc, Épaphrodite était pris avec une maladie, puis ça n'est pas arrivé. Pourtant, Paul a prié pour d'autres personnes, puis il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. On pense à Timothée. Hein, Timothée qui avait des crampes d'estomac, des je ne sais pas si c'était de l'ordre de l'ulcère d'estomac, mais des douleurs à l'estomac. Et Paul, l'apôtre Paul, va lui dire: arrête de boire de l'eau, bois du vin. Yes, sir! Je pourrais nommer des noms, et si je vois des visages, je me retiens à deux mains, qui sont contents. Timothée a vécu un réveil! Yes, sir. Non, ne m'impose pas les mains, donne-moi la bouteille. Lui-même, quand je mentionne ça, je l'ai mentionné la semaine passée qu'on n'a rien contre les médicaments, la Bible n'a rien contre les médicaments, vous savez, du vin. Il n'y a rien de catégorique, oh, c'est comme ça que ça doit marcher. Avec cette pensée de dire la guérison est dans l'expiation, donc on s'attend à ce que ce soit guéri tout de suite, instantanément. Ça donne qu'il y a des chrétiens de cette école-là, c'est souvent ces chrétiens-là qui vont dire « Un chrétien ne devrait jamais être malade. » Je ne sais pas sur quelle planète tu vis, mais moi, ça ne marche pas comme ça à date. Là. Je suis allé un peu en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, puis j'ai vu bien des chrétiens, puis j'ai vu des chrétiens malades. Je ne sais pas comment tu fais, tu viens me donner le secret. Mais ça donne ça. Ah, ben, c'est dans... Un chrétien ne devrait pas être malade parce qu'on est guéri. Il a pris une meurtrissure et sur moi, ces maladies, etc. Donc, je ne devrais jamais être malade. Je ne devrais jamais aller chez le médecin. Je ne voudrais pas prendre de médicaments. Non! C'est pas vrai. Luc était un médecin, je l'ai mentionné. Timothée prend un ingrédient naturel. Ah, c'est naturel, le vin. C'est le début de l'homéopathie, je ne sais pas. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Et parfois, on se bloque. J'ai eu l'occasion de prier pour quelqu'un il y a quelques années de cela. Ça ne remonte pas très loin, mais cette personne-là était en proie avec la maniaco-dépression. Et avait un problème de schizophrénie au point que cette personne-là était convaincue qu'il y avait des caméras partout chez elle et même devait se changer dans le noir parce qu'elle était convaincue qu'on la voyait lorsqu'elle était déshabillée. On a prié pour elle. Puis Dieu a vraiment agi. Vraiment, son visage a littéralement changé. Vraiment, vraiment changé. Et elle a pu commencer à avoir une vie sociale normale, puis à allumer les lumières. Puis cette personne était entourée de personnes de différents avis. Qui, entre autres, l'encourageait à délaisser ses médicaments contre la maniaco-dépression. Et elle-même voulait arrêter ces médicaments-là. Puis j'étais le premier. Elle dit, non, tu ne fais pas ça. Si tu arrêtes tes médicaments, tu vas avoir ton médecin qui, lui, va te dire, arrête tes médicaments, ça ne marche pas comme ça. Oh, mais tu n'as pas la foi. Oui, j'ai la foi, j'ai vu. Il y a une portion dans sa vie majeure qui a été délivrée, guérie, changée, transformée, mais elle se bat encore avec la maniaco-dépression. Nous ne sommes pas des médecins. Un chrétien ne peut pas s'improviser médecin, à moins que vous le soyez vraiment, ça c'est autre chose. Vous êtes qualifié professionnellement pour ça, ça c'est autre chose. Un pasteur ne peut pas s'improviser médecin.
Et dans le passé, il y a tellement d'abus dans ce sens-là. Enlève tes lunettes, jette-les à la poubelle. Non, non, va voir le médecin, fais un test de la vue, puis après ça, jette-les à la poubelle. Aujourd'hui, on rit, mais ça a existé, et encore aujourd'hui, dans certaines écoles de pensée, ça existe. D'autres personnes vont dire, juste l'idée de prendre un somnifère pour dormir, parce qu'ils traversent une zone de dépression importante et profonde et prolongée même, le médecin va leur dire, il faut que je te donne quelque chose pour dormir parce que ton corps n'arrive pas à récupérer. Les chrétiens vont se sentir coupables parce qu'ils vont prendre ou même vont résister à l'idée de prendre ce médicament. Prends-le, ton somnifère. Prends-le, endors-toi. Là, je ne parle pas de réveil, c'est dors. Il y a des... Ouais, mais je crois, est-ce que tu es en train de dire que Dieu ne va pas guérir? Oui, on va prier, mais s'il n'y a rien qui se passe, alors prends-le parce que tu as été créé corps, âme et esprit. Ton corps a besoin de se reposer pour que ton psychique se renouvelle, que tes forces se renouvellent. Puis quand là, tu vas pouvoir remonter, la machine va reprendre le dessus et là, tu vas pouvoir passer à la prochaine étape. Mais prends-le. Si le médecin te le prescrit, prends-le. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas que Dieu ne guérit pas, absolument pas. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas contre, au contraire. Donc faisons attention à ce que nous disons à ceux et celles qui sont autour de nous. Par rapport à ça. Ah oui, une autre personne, c'est vrai. Trophime, un chrétien de l'église d'Éphème, un autre nom qu'on ne connaît pas. Puis lui, on le retrouve, c'est dans 2 Timothée, si vous voulez la référence, là, 2 Timothée chapitre 4, verset 20. Paul va dire, j'ai dû laisser Trophime à Milet. Trophime est un compagnon de Paul qui a voyagé dans le troisième voyage missionnaire avec Paul. Il dit, j'ai dû le laisser à Milet parce qu'il était malade. Et le terme grec, malade, nous laisse penser qu'il était en surmenage. Il a trop fait, il s'est peut-être donné à fond dans le ministère, puis les batteries sont à plat. J'ai dû le laisser donc, il y a des gens, il a dû le laisser, il était malade. Ce n'est pas dit qu'il était guéri. Je termine avec le dernier exemple, 4e personne, l'apôtre Paul lui-même. Un écharpe dans la chair, certains pensaient qu'il y a des problèmes de vue, toutes sortes de théories, ils pensaient qu'ils sont dit là-dessus, ce n'est pas ça qui est tellement important. L'idée, c'est qu'il était malade. L'apôtre Paul qui a connu le 7e ciel et les révélations incroyables à travers qui la puissance de Christ a passé pour ressusciter des morts, guérir des malades. L'apôtre Paul lui-même est malade et Dieu va lui dire « Ma grâce te suffit ». Pourtant, il croyait à l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix. Mais à travers l'œuvre de Jésus, certains sont guéris, d'autres non. Donc c'est juste pour nous montrer que nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui. Dans la Bible aussi, il y avait des personnes, des serviteurs de Dieu qui ont dû faire face à la maladie. J'aurais bien d'autres exemples contemporains à mentionner, mais qui seraient trop longs. Donc nous sommes dans le déjà, mais pas encore. Dans le déjà, mais pas encore. La création elle-même, on peut voir la prochaine diapo, Romains chapitre 8. On va lire à partir du verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière... soupir et souffle les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Toute la création, nous vivons dans ce monde qui a été complètement déstabilisé par le péché d'Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin. Nous en vivons les conséquences, non seulement au niveau de notre relation avec Dieu, ça a affecté notre relation avec Dieu, ça a affecté nos relations les uns avec les autres. Premier crime, Caïn et Abel, ça a affecté l'environnement, ça a affecté absolument tout l'univers cosmique a été affecté par cette décision-là. Et la création elle-même soupire, la Bible nous dit, après le retour de Jésus-Christ et après cet état de renouvellement dont la Bible parle, où on n'est pas encore arrivé. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et j'aimerais qu'on puisse regarder la photo qui va apparaître sur cet écran. Ça nous montre à quel point la création a été affectée. Voilà, voici toutes sortes de facteurs qui peuvent affecter notre santé. Hein. L'eau polluée, le réchauffement climatique, le bruit, l'électricité. Il y a toutes sortes de facteurs de pollution, d'air qu'on respire, etc. qui sont là, le stress que l'on vit, qui affecte nos santé. Mais tout ça, c'est le fruit d'une désobéissance, de la désobéissance de l'homme dans le jardin. Mais ça, c'est appelé à se renouveler. On est dans ce pas encore. Donc, c'est à cause de ce pas encore que bien des gens, malgré votre meilleure volonté, votre meilleure soif, votre plus grande foi, votre meilleur cœur, intégrité personnelle, la guérison ne prend pas place. Ceci dit, si le pas encore nous aide à faire la paix avec Dieu face aux prières qui ne sont pas répondues, je crois que le déjà nous pousse à renverser les pas encore qui sont appelés à devenir des déjà. Je répète. Le pas encore est une consolation.
Je comprends, ça va être plus tard. Mais nous sommes, la Bible dit, nous sommes dans le déjà aussi. Jésus est venu sur la terre. Et de savoir que Jésus veut déjà maintenant, tout de suite, intervenir dans ta vie, nous pousse à transformer nos pas encore en déjà. Je crois qu'il y a un grand nombre de pas encore guéris qui sont appelés à devenir des déjà guéris. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Déjà. Je ne crois pas que lorsque Jésus est arrivé à la croix, il dit « Coucou, me voici, je mords à la croix pour vos péchés. Bye! » En passant, ce n'est pas pour tout de suite. Pas encore. Patience, gang, je reviens. 2000 et quelques années après, on attend encore. Patience, pas encore. Non, non. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il y avait une œuvre à faire sur la terre, parce qu'il y a une œuvre à faire aujourd'hui, puis que déjà maintenant, il veut faire une œuvre. Et c'est là le mystère. Et il y a le déjà, pas encore. Oui, le pas encore, on l'a compris, mais on a besoin de marcher dans le déjà, parce que pas encore, ça je pense qu'on l'a très, très bien saisi, ça. Mais on a besoin de développer le déjà dans notre vie. Mais là, je vais être pas mal plus concret, parce que la semaine, je m'en garde pour la semaine prochaine. Vous savez, dans le déjà, nous avons la responsabilité de prendre soin de nous. Déjà maintenant. Regarde la prochaine photo. Hein? Si vous venez en avant pour que je prie pour votre diabète, vos problèmes de cholestérol ou vos problèmes cardiaques, mais que vous faites des abus de table, vous pouvez venir tous les prochains dimanches pour les prochaines années. Désolé. Il faut juste couper de moitié vos assiettes, les portions. Mais c'est concret. La Bible dit que nous sommes le temple de sa présence, la présence de Dieu, le temple de son Saint-Esprit. Ce corps, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce qui signifie que quelqu'un nous a achetés, rachetés. Je ne m'appartiens pas. Ce corps ne m'appartient pas. Votre corps vous est prêté et nous avons la responsabilité, comme un corps physique qui abrite spirituellement la présence de Dieu, de prendre soin de ce corps physique. Et la Bible mentionne plusieurs versets, plusieurs passages à ce sujet-là, où nous sommes appelés à marcher de façon responsable, cohérente et faire attention à ce qu'on leur mange. Facile à dire. Vous savez, moi, cette semaine, moi, j'aime bien les beignes. Hein? Cette semaine, je me suis vu aligner 2 beignes d'une shot. C'est pas beaucoup, avant, j'en prenais plus. Mais déjà, j'étais parti pour la gloire parce que là, je m'enligne pour le 3e. Et là, la secrétaire comptable me voit. Elle dit Philippe, Fiaké. 2, ça va, mais 3, bonjour les dégâts. Là, je dis ah, c'est vrai, j'ai tout perdu ce que j'ai fait mes entraînements. Je dis OK, j'arrête. Prions pour que Dieu nous donne la maîtrise de soi, ou que des gens mettent sur notre, qu'il mette des gens sur notre route qui nous aident à être maîtres de soi. C'est facile à dire. Là, j'étais parti pour une coupe de beigne. Mais nous avons une responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Là, vous savez, c'est quoi le don qu'on a le plus besoin? C'est pas d'aujourd'hui, je le crois. Je crois que le don dont nous avons le plus besoin, parmi les dons de guérison, miracles, prophétie, paroles de connaissance, sagesse, etc., le discernement. C'est le don dont on a le plus besoin. Et encore plus dans le domaine de la guérison, qui est un sujet vaste et complexe. Une personne peut arriver ici. Là, il n'y a pas besoin de discernement. Hein? S'il y a un problème d'abus alimentaire. Puis en passant, ce n'est pas parce que quelqu'un semble faire de l'obésité qu'il fait des abus de table. Ça peut être des problèmes de parce qu'il prend des médicaments. Ça peut être une question de glande. Des gens qui sont bâtis comme ça, puis ils ont des sérieux problèmes d'abus de table. Non, je dis ça comme ça en passant parce qu'on est tellement vite sur le jugement des autres, à l'apparence. Mais on a besoin du discernement. Pourquoi est-ce qu'on est malade? Est-ce que c'est parce que c'est juste une cause naturelle, parce que je mange trop, puis ça me donne des problèmes de cœur? Quelqu'un pourrait arriver ici, puis avoir une crise d'épilepsie, puis commencer à chasser un démon alors qu'il n'y a rien de démoniaque là-dedans, c'est juste biologique. Puis une autre personne pourrait arriver ici, crise d'épilepsie, puis on pourrait s'acharner à prier pour quelque chose de biologique, puis c'est un problème spirituel profond qui est enraciné. On a besoin du discernement. C'est pour ça que la guérison est complexe. D'où vient la source de nos maladies? Très terre à terre, hein, prendre soin de soi-même. Un autre aspect très, très, très spirituel dans le déjà que nous sommes appelés à faire, prochaine photo. Hein, le travail, c'est la santé. Gaston Lagaffe, lui, il a tout compris. Moi, je sais la conserver. Il dort. Je vais parler du repos. Lui, il a compris le concept de « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Il dit « non, non, OK, moi, là, j'ai compris le concept, je relaxe. Il n'y a pas question que je rentre là-dedans ». Mon point ici, c'est qu'on a besoin de se reposer. C'est très simple. Besoin de se reposer. Si on se couche tous les soirs à des 2h du matin, minuit passé, et puis que là, on se réveille, puis on est à vif sur les nerfs, on a des pensées noires, tout semble une montagne, ben regarde, gros remède, couche-toi à 8h ce soir, tu vas voir demain, ça va aller pas mal mieux. On devient très vulnérable. C'est un des principes de torture les plus connus dans les camps de guerre. Empêche la personne de dormir, puis tu vas voir ce que ça va donner, il va flancher.
Très simple. Moi, c'est la semaine passée, là j'ai terminé, mais la semaine passée, j'ai passé une semaine quasiment complète à me coucher entre minuit et 2h du matin, c'était la moyenne. Pourquoi? J'étais en plein déménagement, puis je voulais faire avancer les choses, puis ok, j'ai commencé, j'ai grugé sur mon capital d'énergie sommeil. J'étais fatigué à l'extrême. Et dimanche passé, j'arrive à la fin, j'avais fini de prêcher ici, j'avais un lave-vaisselle installé. Là, je me couche, j'essaie de raccorder mes affaires, blabla, j'arrive pas, je m'énerve avec la machine. Vous savez, après avoir prêché, tu t'énerves, bon, je me confesse. Ça me fait du bien ce matin, je parle de mon beigne qui m'est resté en travers la gorge, puis je parle de mon excès de colère, façon de parler, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, là, ça marche pas. Avec ma fille, grand discernement, dit « Papa, t'es fatigué, va te coucher. » 12 ans presque, mais bientôt. « Ok, c'est beau, je vais me coucher. » Je me couche, je me relève. Ce que je n'arrivais pas à faire, en me battant et en 5 minutes même pas, c'était clic, clac, 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 boum, boum. Pourquoi? Je m'étais couché. Tu sais, ça a l'air bête et simple, c'est juste pour montrer comment est-ce que le sommeil, je sais que je vous apprends rien, mais on parle du sabbat parfois. Le sabbat, là, c'est, ce qui est important, ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on loue le Seigneur le samedi et pas le dimanche et pas le samedi. Puis, non, ce n'est pas ça qui est important. Dans le principe du sabbat, c'est le principe du sabbat qui est important. C'est que Dieu lui-même s'est reposé et dans le sabbat, il y a un principe que Dieu a institué pour l'être humain. Il dit, moi, je me suis reposé, Dieu parle. Ben, c'est pas moi, mais Dieu dit, je me suis reposé, puis je vous appelle à vous reposer aussi. Je sais que dans nos journées, dans notre réalité aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une journée complète d'arrêt. Mais le plus possible, on est appelé à respecter ce principe biblique, au même titre de prendre soin de nous au niveau de l'alimentation, maîtrise de soi, de se reposer. Reposons-nous. Et là, notre système va pouvoir s'auto-régénérer et on va être des personnes qui allons refléter la vie abondante de Jésus-Christ dans notre vie, des personnes en santé et qui sont dignes de représenter Dieu sur la terre par leur vie. Dernière chose très, très, très concrète. Hein, vous êtes certains sont déçus. Oh, on veut du surnaturel. On veut la puissance de Dieu. Non, mais avant d'aller dans le surnaturel, commençons par les choses de base. Commençons par les choses de base. Prochaine photo, la dernière photo. Hein? Tu vives longtemps, entraîne-toi. Fais de l'exercice. Oh, mais moi, j'aime pas ça, j'ai pas le temps, j'ai peur. Non, non, fais de l'exercice. Je te demande pas de faire des sports extrêmes, là, puis de lancer un parachute, puis courir des 50 km ou des 20 km. Non, mais prends une marche. Prends une marche. Notre corps n'est pas fait pour rester assis. On nous a créé avec deux jambes. Concept, marcher, avancer, mouvement, bouge. C'est comme ça qu'on est fait. On a de l'énergie. Et pour ça, oh, mais moi, j'ai pas d'énergie. Marche, tu vas voir que tu vas en avoir de l'énergie. C'est extraordinaire. Et pas seulement physiquement, mentalement. Là, j'ai pas le temps ce matin, mais c'est même prouvé que beaucoup de personnes peuvent éviter de prendre des médicaments importants contre la dépression parce qu'ils prennent des marches, ils font de l'exercice physique et ça aide énormément. Je suis pas en train de dire que si tu fais de l'exercice, tu n'as plus besoin de prendre des médicaments. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, grâce à l'exercice physique, peuvent se passer des médicaments. C'est extraordinaire. Et on a besoin de peut-être qu'on est paresseux, mais c'est faut mettre en marche la machine et ça fait partie des principes de santé. Vous savez, le hockey ou n'importe quel sport, le tennis qu'on le regarde à la télé n'est pas un sport pour celui qui le regarde. Ah, je suis la goutte. Ouais, yes, sir! Ce n'est pas de l'exercice physique. C'est juste une montée d'adrénaline émotionnelle, c'est tout. Ton corps, le maximum qu'il a fait, c'est de se lever de son canapé, dit « Ah, yes, sir! » Puis vite, il s'est rassis pour prendre la prochaine shape. Ça s'arrête là. Enfin. Ah, le salaire du péché, c'est la mort. Et on ne se rend pas compte, c'est tout ça, nos comportements. Vous savez, quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, on appelle ça la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est ni plus ni moins le fait que Dieu prend naissance dans la vie de quelqu'un. Nouvelle naissance m'amène à avoir un nouveau comportement. Ce nouveau comportement est supposé, en tout cas, nouvelle naissance est supposée mener un nouveau comportement, et ce nouveau comportement a des répercussions sur ma vie positive. C'est-à-dire que je fais attention à moi, je fais attention à mes relations, je fais attention à comment est-ce que je gère mes finances, je fais attention à tout. Fait que il y a une santé générale qui prend place. On a besoin de prier, Seigneur, donne-nous d'être disciplinés, donne-nous la maîtrise de soi. Cet univers au complet est soumis à la puissance du péché. À la présence du péché. Je voudrais regarder la prochaine diapo parce que ça illustre bien, c'est là qu'on va finir. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Si elle est là, la photo du cabinet. Hein? Cabinet médical, verdict, vous n'en avez plus que pour un mois, mademoiselle, monsieur, madame. Voici la prescription. Allez à la pharmacie ou à l'hôpital, puis ça finit au cimetière. C'est le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. S'il vous plaît. J'aimerais terminer quand même avec une note spirituelle dans le déjà qui va me permettre de juste introduire pour la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on va aller dans une autre dimension. La Bible dit, 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Comme je le mentionnais tantôt, je ne pense pas qu'il a fait son œuvre et est parti. « Attendez-moi, je reviens, ce n'est pas encore, mais prenez patience. » Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Déjà maintenant. Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est le plan de Dieu, que nous soyons dans l'abondance. Toute œuvre de destruction, ce n'était pas le diable directement personnifié qui le fait, mais prend son origine dans le diable. Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire. Tout ce qui est mal, tout ce qui marche de travers ne vient pas de Dieu. Comprenez-moi. Mais Dieu vient pour donner ta vie. Il veut donner sa vie maintenant. Il veut donner sa vie en abondance. On va le voir comment la semaine prochaine. Mais il veut déjà maintenant, j'aimerais vous laisser avec cette pensée, que malgré le fait qu'on n'est pas dans le pas encore, il y a des pas encore qui sont appelés à devenir des déjà, parce que Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour te sauver. Je ne connais pas un parent qui se réjouit de voir son enfant naître infirme, être malade, se faire taxer à l'école, vivre toutes sortes d'abus, découvrir un diagnostic de terreur, de maladie. Il n'y a pas un parent qui se réjouit d'entendre de voir ça, de faire face à ça. Alors, à plus forte raison, Dieu ne se réjouit pas de voir, ne prend pas plaisir à voir que vous vous battez avec toutes sortes de pensées, d'émotions, de problèmes physiques, etc. Et il y a une colère qui se réveille en moi quand je vois que la maladie, elle fait. Et en fait, c'est simple. La maladie révèle la présence du mal. Il y a dans le mot maladie mal. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Depuis des millénaires, sans aucune pitié, la maladie va frapper autant les noirs que les blancs, va frapper les nourrissons autant que les personnes âgées, va frapper les riches comme les pauvres, les communistes comme les démocrates, les chrétiens comme les musulmans, toutes les confessions. La maladie frappe, elle ne regarde pas, elle frappe. Et Dieu est venu pour se révéler, pour manifester son royaume. Il dit, je viens sur la terre, je veux détruire les œuvres du diable. Je vous invite à vous lever ensemble, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant « Je te suivrai » avec lequel nous avons conclu ce temps de louange et de dire malgré mon état, malgré la situation dans laquelle je me trouve, peut-être que je suis dans le pas encore, je ne connais pas ton plan, je ne comprends pas, mais Seigneur, malgré tout, je te suivrai. Je veux le guérisseur avant même la guérison, adorer le Seigneur. Et je crois que dans un temps d'adoration, de louange, de cœur à cœur avec lui, la puissance de son Saint-Esprit, en cet instant, peut te guérir, te relever déjà maintenant, là où tu te trouves. Je crois qu'il peut le faire. Je crois qu'il n'y a rien qui réjouit plus le cœur de Dieu devant un peuple qui dit « Malgré le prix, je te suivrai. Malgré mon état, je te suivrai. Malgré mon incompréhension, je te suivrai. Malgré qui je suis, malgré tout ce que j'ai, je te suivrai. » Et je prie qu'en cet instant, qu'il s'agisse d'une culpabilité qui est sur ta vie parce que ton enfant peut-être n'est mal formé ou une autre situation, tu as perdu ton travail. Culpabilité qui est là, qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, que cette culpabilité disparaisse. Sors de ce lieu avec le cœur léger et la paix de ce que Dieu t'a pardonné. Reçois le pardon de Dieu. Pardonne-toi. Pardonne-toi toi-même comme Christ te pardonne. Déclarons ce matin, avant d'aller plus loin la semaine prochaine, déclarons ce matin, Seigneur, je te suis.